Né en 2008 à Parakou, Abdou Hanif Gounou est un pensionnaire de l'Académie Afrique Espoir de la cité de Kobourou. Bien avant, le jeune footballeur débute en 2014 avec son club de quartier de Paro Est, Portmouth. J'ai débuté ma carrière footballistique avec les tout petits et du quartier. Donc aujourd'hui, notre équipe est devenue maintenant une grande équipe. Nous évoluons dans les moins de 20 ans maintenant. Nous avons des compétitions qu'on joue comme la Super League, la Ligue des Ligues. Latéral ambidestre, avec une taille de 1m75, Hanif intègre l'Académie Afrique Espoir en 2017 pour poursuivre sa formation. Avec l'Académie, il découvre le championnat régional U20 dans le Borgo. J'ai commencé avec Afrique Espoir en 2017. Où on a pu jouer le championnat amateur U20. Malheureusement pour nous, c'est notre première expérience dans ce championnat, mais ça n'a pas marché. Doté de plusieurs qualités techniques et athlétiques, Hanif fait l'unanimité auprès de son premier coach et de ses partenaires. Il a la qualité de centre et les remises en jeu aussi. Quand il lance les touches, on dirait que c'est un corner. Il est fort en ça. Hanif, c'est un très bon joueur d'abord. Quand on a besoin d'Hanif, il est présent au match. Il est habile quoi. Dans son poste, il est habile. C'est un gars qui est très rapide. Il a une bonne vitesse. Et il est physique. Il a un bon lancer de touche. Et il participe surtout au jeu. Appelé en regroupement en équipe nationale des moins de 17 ans par Hubert Ronfort en 2022, Hanif Gounou est aujourd'hui pisté par Beke Football Club de Bembeleke et Aspac, deux clubs du championnat professionnel béninois. Hanif pourra évoluer dans un grand club. Dans le futur, je compte sur Hanif pour évoluer dans de grands championnats. En attendant, Achraf Hakimi, comme le surnomme affectueusement ses coéquipiers, profite des vacances pour travailler davantage, histoire de réaliser son rêve le plus absolu. Celui de passer son stage avec succès au Racing Club de Lens, équipe de Ligue 1 français.